Salut à tous, c'est Dax et on se retrouve aujourd'hui pour ce 10e épisode, un épisode fail. Parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de spawner. Un petit creeper me l'a explosé il y a 2 secondes. Et en plus, il y a eu un gros fail avec de l'eau, j'en avais mis dans les coins et tout, et ça a fait l'eau stagnante, enfin l'eau plate. Et du coup, il n'y aura pas d'usine à creeper. Donc je suis désolé. Et il y a la nuit qui tombe, donc je suis dans la mouise. Quoique si je me dépêche, bon. Et donc il n'y aura pas d'usine à creeper, je suis désolé. Et sûrement pas de tuto, parce que vu comme je viens de me fail, peut-être un tuto pour créatif si vous me le demandez, mais non, pas pour l'instant. Alors on retourne à la maison. Maison pas sécurisée du tout bien sûr, et on va prendre des ressources pour construire une autre maison plus loin dans la vallée. Là, bon bref. Parce qu'on va pas rester éternellement ici, planté sur notre petite montagne, parce qu'il faut bien aller ailleurs pour... Il faut voyager, il faut changer d'air un petit peu, non? Qu'en pensez-vous? Donc, voilà. Je vais prendre... Allez, mon bois. Je vais reprendre un minimum pour commencer. Je vais prendre des portes. Puisque je me le suis fait exploser littéralement. Voilà, mon diamant, mon épée en diamant. Là, on va prendre notre diamant, notre fer et notre or. Ça sert à rien. On va prendre notre épée en diamant classique. Un petit peu de ça, un petit peu de ci, un petit peu de ça. De la terre, parce que ça peut toujours servir. 2-3 pelles. On va poser ça, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait poser? Un petit peu de cobble. On va prendre notre verre. Et le reste d'or, qui est tout l'or qui nous reste. Alors j'en suis à 2 disques, si je ne m'abuse. Pas plus. 2 disques sur 11. 3... Et 3 donjons sur 11. Oh. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Dès que le jour sera levé pour que je puisse me balader tranquillement. A tout de suite. Re les amis, ça y est, le jour se lève, les zombies devraient pas tarder à brûler. Et ben on est parti. Hein. On va prendre ce petit établi, ça m'évitera de gaspiller du bois. Il est où le zombie? Tu vas mourir. Y'a pas de zombie? Bon bah s'il n'y a pas de zombies alors. Eh ben excusez-moi, on va monter un petit peu les. Allez, on se met en normal. Je sais pas si c'était déjà comme ça. Un petit creeper. Stack. Toi, mourir. Oh, joli canon. Et on va partir dans la vallée. Et on va se mettre en phare. Et je suis encore désolé pour le gros fail de la ferme de creeper parce que du coup je pourrais pas avoir de creeper et ni de TNT et c'est bien dommage je trouve. C'est par où que j'ai jamais exploré. On va tenter par là. Si j'ai déjà exploré à peu près partout en fait. Et je sais pas du tout s'il faut que je creuse en fait pour trouver les donjons et ça m'embête un petit peu. Et ben on va se mettre sur un point haut. Là on va se mettre là où l'Enderman s'est mis. Et on va construire notre petite maison. Viens là Enderman que je te tue. Ah pas l'Enderman bon. Ça va le soleil. Et ben nous allons aplanir. Mince. Et on va... Je sais pas du tout comment j'ai construit ma maison. On va essayer de faire un truc assez joli. Ça changera un petit peu du minage et de l'exploration et du tuage de zombies. De se créer quelque chose de joli là. Remarquez, je suis pas allé très loin quand même, hein, mon ancienne maison. Je tiens assez à mes racines.
là, là-bas. Je crois que j'y suis. En fait, j'y suis jamais allé là-bas. Et je vais prendre des risques parce que j'ai tout ce que j'ai. J'ai tout mon diamant. J'ai tout là-dessus si je meurs. Ah, un arbre isolé. Ah, un coffre. Je sais pas si. Je sais pas si c'est dans ce lac que j'avais trouvé le coffre de Sadik. Ouais, si c'est là. Oh, ça m'avait tué ça, là, là. Mais non, je saurais plus du tout où trouver. Je sais même plus, vraiment plus du tout où je pourrais trouver le moindre donjon. Donc on va, je sais pas, je sais même pas ce qu'on veut faire. J'aimerais passer la recherche et la faire de mon côté, puis vous reprendre dès que j'ai trouvé un donjon. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus de série. Il n'y a plus de série. Ouais. On retourne dans le biome jungle après. Je sais pas. Je sais pas du tout. Où aller? On va aller par là-bas. On va essayer de longer ce biome jungle. 3 donjons en 10 épisodes quand même. Ça va, ça c'est bien. C'est pas mal. J'espérais faire un petit peu mieux, mais bon. Ouais, c'est déjà bien. Enfin, 3 donjons, 10 épisodes. On en est qu'au 10e épisode, hein. Peut-être que j'en trouverai un. Qui sait? Ah, un nouveau biome. Un biome marécage, si je ne me trompe pas, vu la tronche de l'herbe. Oui, je pense que c'est ça. Ce serait bien de trouver un donjon là-bas dedans, ici. Surtout que j'y suis pas allé ici, c'est la première fois que je viens par là. Par là. Et voilà. Bon. Il y a des beaux bugs de texture quand même. Bon, je suis pas passé à la 1.3.2, moi je suis resté à la 1.3.1. Parce que tout simplement sur les serveurs, je lague moins avec la 1.3.1 qu'avec la 1.3.2. Donc j'ai jugé inutile de faire ça. Là-bas, je retourne sur mes pas en fait. Tout là où j'ai trouvé les. Déjà trouvé les. Les donjons. Là, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Et je sais vraiment plus du tout chercher maintenant. Là, il y a pas mal de cannes à sucre qui sont posées. Bon. Un arbre isolé. Un petit coffre peut-être. On va peut-être trouver un petit coffre aujourd'hui. Ce serait pas mal ça. On va passer par la terre parce que l'eau ça va vraiment pas vite. Un beau bug de chunk. Un bug tout court aussi où je pouvais pas passer. Attends, on aperçoit rien au cas où, hein. Autant profiter. Ah, un arbre mutant, c'est moche ces arbres, c'est vraiment du lait dehors. Ah non, dommage, on verra pas. Un petit coffre. Gagné, encore une fois, comme d'habitude bien sûr. J'ai le don de repérer. Mais si je m'en fous. Bon, si ça peut toujours servir une hache, Unbreaking 3. Je sais pas si j'avais déjà longé ce truc. On va continuer d'avancer. Hein. Ce sera pas un épisode de construction finalement. Hein. Désolé les amis. Mais un épisode encore une fois d'exploration. Voilà. Ah non, on va pas longer parce que j'ai déjà tout fait. On voit ma monobloc là-bas. Bon, je vais rechercher un petit peu de mon côté et dès que je trouve un petit donjon ou un petit truc intéressant, je vous reprends tout de suite. Allez, bye bye les amis, à tout de suite. Re les amis, alors j'ai longé les trucs finalement et j'ai atterri dans cette plaine avec des montagnes bizarres. Et derrière, il y a eu un biome sable, un joli biome sable avec quelques oasis et ça m'a l'air bien sympa tout ça. Donc on va aller y visiter. J'ai trouvé ce petit biome sable. Ça a l'air bien sympathique. J'espère qu'on va y trouver quelque chose dedans. Il a l'air immense.
Et on va breveter la bête dans le biome, dans le l'oasis. Ah, c'est des arbres. Des arbres quoi? Des arbres à cacao ça? Ah oui, c'est possible, c'est peut-être des arbres à cacao ça. Bah oui, c'est les trucs de la jungle. Je crois que ça donne du cacao maintenant ça. Oh. Et ben, allons visiter tout ça. Faut peut-être que je mange. Voilà, bon. Allez, plus de bouffe. La prochaine fois, je meurs. Bon, bah, ça a l'air bien sympa. Il y a l'air d'avoir quelques oasis de temps en temps. Moi, je serais bien pour me créer une petite maison, là. Alors, on va se créer une petite maison, voilà. Bon, je vais en faire une vite fait, hein, en sable. Oui, par contre, j'ai eu un bug et du coup, j'ai dû redémarrer mon Minecraft. J'ai voulu faire ça... sans que vous y voyez quelque chose, mais ouais, bon, je vois même pas où je suis. Si c'est bon, il y a le biome, enfin le l'oasis ici. On va se créer un petit trois rats en terre. Oh, ça va, la nuit elle va pas tomber tout de suite, je pense. Il y a une autre oasis là-bas, mais comme on est loin, j'aimerais pas mourir en fait. Donc, du coup, vaut mieux ne pas prendre de risques. Voilà, mince. Ah, j'ai cru que c'était un bruit de caverne. J'allais me dire chouette, une caverne chic. Bah en fait non. Je peux me la carrer bien profond cette caverne, puisqu'il n'y en a pas. Bah. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, c'est le mod X-Ray que j'ai installé pour mon serveur. Je suis désolé. Normalement, c'est censé... Je sais même pas à quoi ça servait ce truc. Bon. Je vous rassure, je ne l'utilise pas du tout pour cette aventure. La preuve, à chaque fois, je les trouvais par hasard, les trucs. Mince. Le bois ici. J'ai vraiment pas de bois, faudrait que j'en le coupe à mon oasis. Tac. Au moins pour garder le diamant et les affaires un peu précieuses, parce qu'au pire la cobble. Par exemple ça, tac. Tac. Ça, on va garder une... Voilà. On va prendre une petite pelle comme ça. J'ai gagné pas mal de gunpowder. Le four, on va pouvoir le poser. Ce sera toujours bien utile. Et puis voilà. Maintenant on va pouvoir explorer. Bon, faut pas que je me perde. C'est quoi ça là-bas? Chic, alors chic, 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 y'a un truc. Une jolie montagne qui disparaît au fur et à mesure, je sais pas pourquoi. Je m'y approche, elle disparaît. Chic. Chic, 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 une maison. Ah, il a peut-être créé des petites maisons comme ça. Ah, c'est trop bien. Je crois que je vais déménager en fait. Ah, il y a de la netherrack. Oula, c'est quoi ce truc? Il y a un trou, ça me fait un peu peur, hein. Un petit peu près peur, hein, quand même. On va éclairer tout ça parce que ça me paraît un peu sombre. Tiens, tiens, tac, je vois bien ce qu'il y a là-bas dedans. J'ai peur, c'est peut-être un donjon en fait ce truc. Voilà, j'ai peur qu'il... Ouais, bah, ça doit être ça. J'ai peur que si j'y vais, de perdre mes affaires. Au moins y revenir avec un petit peu plus de choses. Allez, on va chercher toutes nos affaires. On va chercher les affaires dans la maison. Ah, c'est chouette ça. Un petit donjon. Ça faisait un petit moment en plus ce petit donjon. Et pour le 10e épisode, ce sera bien. Chic alors, chic, chic, chic. Allez, je pense que je vais me faire une autre épée parce que celle-là, elle va pas tarder à crever.
Et j'ai une armure, donc ça peut aller, on va dire. Bon, bah on va poser les choses inutiles, hein. On va garder de la terre pour se faire des petits bunkers, au cas où. Au cas où. Prendre de ça, du bois, de ça. Non, on va pas s'en faire, on va se faire des épées en fer. Et on va poser ça. Et je vais faire une pioche au cas où aussi, si j'ai assez de place. Pioche, je me prendrai un petit stack de. Un petit stack de cobble sur moi, ce sera pas perdu parce que j'en ai en masse. Et on va se faire. Et j'ai dit quoi, une pioche, voilà. Ça peut toujours être utile, je pense. Et j'ai bien sûr, je l'ai pas prise. Quand on est un peu né comme moi. Allez-y, acharnez-vous dans les commentaires. En deux petits chacals. C'est étonnant qu'il ait pas fait un donjon en pyramide quand même. Ça aurait été sympa dans un désert. Je prends quoi d'autre? Pas besoin de rien, besoin de plus, je pense. Ouais. Bon, au pire, je pose celle-là. Et si j'en ai besoin, bah, j'irai la chercher. Maintenant, non, je vais garder celle en bois, au cas où. Au cas où je tienne plus longtemps que prévu. Et c'est parti, mon kiki. Aïe. Ah bah si, j'ai pas de bouffe. Oh, punaise. Ah là 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 là. On va marcher plutôt, hein. Ce sera plus simple. Ça évitera de perdre notre bouffe, vu qu'on en a pas beaucoup. Ah, c'est sympa, ça, un petit donjon. Allez, on va courir, on s'en fout. En plus, je saute. Je suis un fou. Et je me lance dans l'inconnu. Aïe. Ça, ça fait peur. Bon, on va éclairer. Il y a des écrits. Aïe, aïe. Là, j'ai flippé comme un pourri. Vous saviez à quel point j'ai eu peur. Oh, un Enderman, un joli Enderman. Ce tombeau sera votre tombeau. Ok, ça rassure toujours. Tac. Yes, un œil d'Enderman. C'est bien ça. Tiens, crêpe. Désolé si je parle pas beaucoup. Oula, il y a une masse de creepers là-bas. Il y a un creeper enterré même. Oh là là, je suis mort. Je vais mourir, je vais mourir. Je ne sais pas où je suis, ça a l'air d'être un labyrinthe. Aïe. Ouf. J'ai trouvé un truc. Il y avait des spawners là-bas. Ça a l'air d'être comme un Hunger Game. Non, pas un Hunger Game. Oula, moi j'y vais à l'arrache. Allez, éclate-toi. Voilà, merci. Je me fais vraiment défoncer là. Je vais mourir. Je ne parle vraiment pas beaucoup là, je suis désolé. Voilà, il a tout tué lui. Et moi avec. C'est un vrai carnage. Passer par là. Ah, vas-y, éclate-toi, fais-toi plaisir. Éclate-toi. Voilà, ça c'est fait. Et des zombies, encore une fois. Vas-y, éclate-toi, toi aussi.
c'est bon, ça c'est fait. Il y a un petit coffre là-bas. Allez-y, éclatez-vous. Tac, voilà, ça c'est fait. Et je vais m'isoler là, moi. Je suis désolé si vous y avez pas vu grand-chose. Mais là, je viens de... Ouh, j'ai touché le pactole. Je veux dire, j'ai pas vraiment pensé à poser des torches pendant que je me fightais. De toute façon, là, je suis littéralement un peu dans la merde. J'ai peut-être ça pour me défendre un petit peu. Mais il va falloir vraiment beaucoup manger de ça pour reprendre sa vie. Voilà. On va attendre que la vie remonte. J'ai du bois. Je peux même pas me faire un établi. Bon bah on va se défendre à coup de pelle, on va me faire... Ah si, je vais me faire un établi, j'ai une baguette. Ah, j'ai de la chance. On va me faire une petite épée en fer. Ouh. Comme j'ai ramassé du fer en plus. Oh là là, je tremble. Oh, je me suis même pas défendu. J'ai fait que... Allez là, on va essayer de poser des torches. Maintenant, il s'agirait de retrouver son chemin. Vous voyez le carnage que ça fait. C'est vraiment impressionnant. On va essayer d'éclairer tout ça. J'entends de l'archer par là-bas. J'ai vraiment fait tout ça comme chemin. Et je me fais attaquer, allez. D'où tu sors, toi? Ah, encore un coffre? Potion de speed, ça peut bien m'être utile. Strength. Ah, j'ai deux perles d'Enderman, ça c'est bon. On va essayer de détruire ça, on peut pas. Bon. Et ben voilà, on va aller plus vite maintenant. On va aller là où c'est pas éclairé pour explorer un petit peu. Toujours un carnage avec moi, les donjons, je me fais toujours défoncer, démolir. Allez, pour le plaisir. Ouh, bah d'un coup, lui. Ah bah ça c'est bien pratique. Voilà, je vous fais explorer un petit peu le donjon, pour ce que j'en connais. Pour ce que j'en ai visité, de toute façon ça se voit vite, ce que j'ai visité c'est tout explosé. Voilà, par là. Et là, ah bah oui, c'est là où j'étais. Oh là là, on s'en passe hyper facilement là-dedans. Là, j'y suis pas passé par là. Là, j'ai déjà trouvé le coffre. Avec le petit squeletton qui tourne dedans. Ah, là par là, je suis pas passé. Il y a beaucoup de trucs d'expérience. Ah, j'ai pas exploré là. Je pense que... J'ai tout fait, là il doit plus y rien avoir, il doit plus y avoir de risque. Ah, c'est vraiment immense ce qui a été fait. Oh, on s'y perd facilement, j'entends de l'archer. Oula. Ah, petit spawner de zombies. J'ai entendu zombie. On va essayer de revenir sur nos pas pour pouvoir éclairer là-bas. Bon, c'est pas du noir. Lolo, il nous a fait un truc immense. Ah, un petit creeper. Voilà, merci. Ça c'est fait. Oh là là. Je stresse vraiment là. Oui, d'où tu sors toi? Ah, il a enlevé une torche, le salaud. Oh, un coffre. Allez. Et allez, de l'or et du diamant. Yes. Il s'agirait pas de mourir ici. Oula. D'où tu sors, toi? Comment je vais faire pour t'attaquer? Allez.
Allez, bon, c'est fini, maintenant on sort. Je sais pas du tout par où on passe. Là, je fais des tours en rond. Ah, je crois qu'on revient par les explosions, là. On va se caler là, et on va manger un coup. Il me reste de la potion ou pas? Non, j'ai plus rien, j'ai tout utilisé. C'est affreux, je parie qu'il fait nuit dehors en plus. Comment je vais remonter de ce tombeau? Ah, comme il est si bien dit, ce tombeau sera votre tombeau, je ne peux plus en sortir. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Bah, on va remonter, j'espère que j'aurai assez de 31 bouts de terre. Oui, bah, on va se caler là et on va attendre la nuit. On va attendre que la nuit passe. Bon, sur ce, je vous dis au prochain épisode. Et merci de me suivre toujours. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, bye bye tout le monde.